yake kuma ya mwa minute ya kotanga bete nukumona kuna matoma yoi ina kene kuluta Cortez ina bete nina tuba yoi ina kena ukwisa nyonso ina nukusongati ya cheleka mtanto mingi na bebimfuka na beto nyonso mtanto mingi na bafumi ya insi na beto mtanto mingi na beto nyonso kudileme banda na intu ya insi na beto ti na beto bantansuka bete nukudila bubu ya hii Mbuta Antoine Kizenga bete nukudila Mbuta Antoine Kizenga bete nukuyindula bete nukuyindula bansengma ina pesaka beto malongi ina pesaka beto malongi ya hii mbiksila beto dala Mbuta Felix Antoine Kizenga mfumo ya tano ya istina beto ya Republika Demokratiki di Congo yani mpi mekwete kumonisa elungi na yandi yani mpi mekwisa kudila yandi ya hii beto mwosike nuko beto nyoso ke nuko landa yandi Cortez yoi na mekuma fume ya isi ke nuko luta fume suke nuko kwisa malembe malembe Cortez ke nuko kota nyoso ina nuko songati yokele mawana beto nyoso yokele kudila beto nyoso beto kele mpasi mpangi vital semuna mpangi nyoso kukuma ya Mbuta Felix Antoine Tshisekedi yakele kukumi ya inchi na beto. Et voilà le moment tant attendu, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi vient d'arriver ici au palais du peuple. Et voilà les honneurs, il va passer les troupes en revue, les honneurs pour saluer l'arrivée du chef de l'État qui vient personnellement rendre hommage à l'ancien Premier ministre Antoine Kizenga, secrétaire général et chef du Parti Le Monde Unifié, décédé le 24 février 2019, un certain dimanche, aux cliniques médicales de Kinshasa, dont le corps était conservé à l'hôpital du Cinquantenaire. Et aujourd'hui, c'est les hommages officiels qui ont débuté depuis pratiquement 9 heures. Plusieurs personnalités se sont succédées pour déposer les gerbes des fleurs. Ça n'était suivi les interventions, le message de cadre du parti, disons, du représentant du regroupement du parti politique et allié. Et maintenant, oui, le chef de l'État est arrivé. Et puis, surprise agréable, les gens se demandaient, se posaient la question, mais la veuve Anne Kizenga est absente de tout ça. Elle est là, elle est visible, elle est arrivée. Elle est là. Elle est arrivée, Anne Kizenga, l'épouse, la veuve du patriarche Antoine Kizenga, est dans la salle. On pensait qu'elle était absente. Non, non, elle est arrivée. Et on l'aperçoit. On l'aperçoit. Et puis on disait tout à l'heure que c'est l'arrivée du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette salle. Le président de la République vient personnellement rendre hommage à cet illustre pionnier de l'indépendance, le tout dernier qui est resté au pays et qui vient de partir. Le moment est solennel. Le moment est solennel ici au Palais du Peuple, lorsque le premier citoyen met ses pieds dans cette salle du Palais du Peuple, qui grouille de monde, qui est pleine comme un œuf, parce que tout le monde cherche absolument à rendre hommage à cette icône. Merci, nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Voilà la suite du programme avec le protocole d'État. La presse, s'il vous plaît, la presse. On demande à la presse de donner l'occasion de continuer la cérémonie. Et donc,
Tout est fait prêt ici au Palais du Peuple, comme vous le voyez, pour recevoir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous pouvez libérer cette zone, s'il vous plaît, son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe, qui est membre du CACH. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Après le dépôt, par votre Excellence, de la gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle de l'Ulysse disparu, nous allons, avec votre autorisation, inviter avec beaucoup de respect Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à donner lecture de l'oraison funèbre. Monsieur le Premier ministre. Tshibala va prendre la parole pour dire l'horizon funèbre à l'occasion de ses obsèques. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités. Comme vous le savez, aujourd'hui nous nous retrouvons en ces lieux pour pleurer un homme qui a marqué la vie de ce pays. Un des pionniers de l'indépendance. Il s'agit du patriarche Antoine Gizenga. Il est né en Mbanzé, dans le secteur de Gungu, territoire de Gungu, le 5 octobre 1925. Il a fait ses études primaires à Mouakou, puis à Sacré-Cœur à Kikwit. Il a étudié aussi au petit séminaire de Kinzambi pour finir au grand séminaire de Maïdi au Congo central. Le patriarche Antoine Gizenga fut un grand homme politique et un homme d'État. Le gouvernement de la République tient aujourd'hui à lui rendre un hommage mérité pour des loyaux services rendus à la nation. Il s'est battu pour que le Congo recouvre sa souveraineté et la conserve. Il a lutté pour la dignité du peuple congolais et pour cela, il y a consacré la bonne partie de sa vie. Et toujours soucieux du bien-être de ses compatriotes. Antoine Gizenga était un des bras droits de Patrice Emery Lumumba, avec qui et bien d'autres nationalistes, ils ont défié les colonisateurs jusqu'à l'indépendance arrachée le 30 juin 1960. Comme vice-premier ministre du gouvernement Lumumba, il a pris avec beaucoup de courage le chemin de Stanleyville pour diriger les opérations après la mort de son compagnon liquidé par l'impérialisme. Comme Premier ministre après les élections de 2006, il a laissé un exemple de modestie et de l'amour de la patrie, alors qu'à cet âge-là, il pouvait se reposer pour avoir beaucoup servi le pays.
Il nous a donné également un exemple de calme et de sérénité, quelle que soit la tournure des événements. Aujourd'hui, il nous quitte. Sa disparition n'est pas seulement un deuil, mais aussi une commémoration de son héroïsme pour le salut de ce pays. Patriarche Antoine Gizenga, le gouvernement de la République, dont vous avez été un des chefs, le peuple congolais ne vous oublieront jamais. À la première rencontre avec Patrice, dis-lui que le Congo reste la terre d'avenir. Antoine, tu n'es pas mort. Tu resteras vivant pour ta lutte. Je vous remercie. Le Premier ministre Bruno Tshibala vient là de prendre la parole pour, à l'occasion de l'oraison funèbre. Merci. Il a donc... Excellence, avec votre autorisation, nous allons à présent céder la parole à M. l'abbé Noël pour la suite du programme avant de procéder à la levée de la dépouille mortelle. M. l'abbé. Tard, avant la levée du corps, à destination de Bouma. Donc, nous serons fixés dans quelques instants sur la suite précise. Tout à l'heure, comme je venais de le dire, c'est le Premier ministre Bruno Tshibala qui est venu de prendre parole, qui a prononcé l'oraison funèbre à l'occasion de ses obsèques. Pour lui, Gizenga n'est pas mort. La nation, le peuple congolais, personne ne l'oubliera. Il a rendu des beaux et leur service à la nation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons. Le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Antoine, vous l'avez suivi avec attention, a été baptisé. Il a brûlé du désir d'être prêtre. Instruit, modelé à l'école de l'excellence des pères jésuites. Mais il prendra le chemin qui était le sien, comme vous l'avez entendu, parce qu'il jouissait de la liberté, la pleine liberté pour décider du destin, de l'avenir qu'il voulait donner à sa vie. Mais qu'à cela ne tienne, tous ceux qui vivent dans la vertu étant l'aptitude à faire tout ce qui est bon, sont enfants de Dieu et entrent dans le projet de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ceux que le Père t'a donnés. Conduis Antoine, notre frère, jusqu'à sa demeure éternelle. Il quitte la maison où il a vécu sur cette terre. Accueille-les parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici, pardonne-nous
la force de faire de notre vie une marche vers toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 3, du verset 16 au verset 21. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. En effet, tout homme qui fait la lumière, tout homme qui vient à la lumière sait que ses œuvres sont reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, Dieu a aimé avant de créer. Donc, l'amour de Dieu précède la création. Et tout homme, qui qu'il soit, quelle que soit la marche de sa vie, est sujet d'amour de Dieu. Parce que personne ne se donne la vie et personne ne peut se ôter la vie. Il n'y a que Dieu qui donne la vie à qui il veut, quand il veut, et lui seul compte aussi le nombre de jours de chaque homme. Le psaume 90 nous le dit, que nos jours très souvent passent vite comme de la fumée au vent. Certains vivent 60 ans, d'autres 70 ans, 80 ans pour le plus vigoureux. Donc Antoine a été plus que vigoureux, parce qu'il compte presque. Il est presque un centenaire. Donc Dieu l'a aimé de cette manière-là. Et il a guidé ses pas. Parce que l'homme n'a pas de mérite. Tout ce que l'homme a, ce sont des dons gracieux de Dieu. S'il a étudié, et si Dieu a continué à préserver sa vie, malgré tous les méandres que son existence a connus, c'est Dieu qui l'a guidé. Pas seulement lui-même. Parce que Paul l'apôtre nous le dit dans Romains 14, 7, 9, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Et cet amour de Dieu, il le manifeste, il continue à le manifester à nous tous. Quand on compte le jour, c'est Dieu qui compte le jour. Et lui seul compte le jour pour nous. Parce que celui qui bâtit la vie de l'homme, c'est lui qui guide et oriente les pas de chaque homme, comme le psaume 139 nous l'indique. Que je sois assis ou debout, je sois chez moi ou en dehors, toi tu me connais. Avant qu'une parole ne franchisse mes lèvres, Dieu, tu sais de quoi je dirais. Le psaume 139 nous indique. Et c'est le même Dieu qui nous donne à nous tous l'être et le mouvement. Et Antoine, il en a donné à profusion. Le bien, finalement, l'existence humaine, comme nous l'indique le Seigneur, n'a de sens que dans le service qu'on peut rendre. Tout homme, dans l'homme, le service qu'il rend à l'humanité ou aux hommes, il rejoint le pas des dieux et franchit par le même fait les limites de la mort.
pour entrer dans le panthéon de la vie et d'une vie qui ne finit pas. Aujourd'hui, en pleurant notre frère, nous pouvons lui donner tous les titres du monde, parce qu'il les mérite. Mais le plus essentiel, c'est que nous retenions tous que nous vivons pour Dieu, et que nous devons vivre aussi pour Dieu. Que l'existence humaine est un temps de grâce, mais il est aussi un temps de combat. De combat pour le choix que nous opérons, et que chacun nous appelle à opérer le choix, mais le plus judicieux. Parce que nous devons franchir l'estime que nous avons, la laideur du vice, pour toujours préférer la beauté de la vertu. Et c'est dans la vertu que se trouve Dieu. Que notre frère Antoine nous a acquis, oubliera, même nous qui n'avons pas connu l'indépendance ou l'idée de l'indépendance, nous n'oublierons pas que dans cette même maison, un jour a su dire, il y a Nivet. Parce qu'il voulait cette excellence. Et il a marqué l'histoire avec nous tous en estimant que ce n'est pas Yann Nivet. Qu'Antoine, en partant, il nous rappelle, nous tous, notre chemin commun, le chemin de la mort. Le chemin de la mort, c'est le sort de tout ce qui vit, mais c'est aussi le chemin de tout homme. Et c'est le chemin de tout homme. Le Seigneur nous rappelle que nous devons racheter le jour, parce que le temps peut paraître très très mauvais pour nous. Qu'il repose en paix. Et lorsque nous enterrons ceux qui partent, j'aurais bien voulu lire une première lecture tirée du livre de Siracide ou de Ecclésiastique au chapitre 44 qui fait l'éloge de tous les anciens. Et qui demande aux générations qui viennent qu'ils puissent imiter le courage, le savoir-faire, le bien qu'incarnaient les anciens. Et c'est de cette manière-là que nous allons pérenniser la mémoire des anciens. C'est en luttant pour le bien de tous et en créant une fraternité sincère et vraie autour de nous. Antoine, repose en paix. N'oublie pas ce que tu es pour le tien, un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Antoine Gizenga, notre frère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, il a fondé son espérance sur les valeurs. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu lui as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Notre frère est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu. Notre Père, dont la foi est l'espérance de la vie éternelle, accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême, après la douleur et les larmes de ce monde, laissons-le aller à la rencontre de Christ notre Seigneur. Recueillons-nous dans cette espèce. En toi, nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ces corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
signe de respect pour Antoine, notre frère, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa longue vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles de siècles. Que tous ceux, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous un signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché avec Antoine. Et aller dans la paix du Christ. Merci, mesdames et messieurs, en attendant la levée de la dépouille mortelle, je voudrais donc vous prier très respectueusement de bien vouloir vous tenir debout pour permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de se retirer. Je pense tout le monde qui doit se mettre debout pour que le chef de l'État, Félix Antoine, les honneurs avant le départ du Président. C'est la sortie, hein, du chef de l'État qui a déposé sa gerbe de fleurs, qui est venu rendre hommage devant une foule nombreuse ici au Palais du Peuple. Le chef de l'État a marqué sa présence à cette cérémonie haute en couleur ici au Palais du Peuple. Et l'on doit frayer le passage pour permettre au Père de la Nation de libérer la salle et aller vaquer à d'autres occupations. Et en français, la sécurité peut nous aider, s'il vous plaît. Pardon? Est-ce que le corbière est en place? Oui. Monsieur Destin Pelletier. Parce que nous allons à présent, mesdames, messieurs, avec nous le moment procéder à la levée de la dépouille mortelle de feu pour son inhumation. Monsieur le Premier ministre Antoine Gizenga. Et donc nous allons nous inviter. Vers la fin, mais avant de nous séparer, quelles sont la police vos dernières impressions? Bien, merci à nous assister dans cette œuvre. Merci. Antoine Gizenga, Mukulum Pamulombo Djoua Palou, et où vous m'avez calé, maintenant, Tindondi Chamene, quand vous l'avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez Patrice Mery Lumumba, Bamana Kofika Mwabeu, Kujibana Nabasila Shilanam, Fumwa Ditunga, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Moma Iwa Kenyinda, Uvumufika Venda, Mbokumana Mushindo, Wakumwe Chisala, Chachilongo, Niku Samba, Bana Bamufwa,
ni benedi ku benda bonsu fumwa ditunga wale jpatoka se bulelela udim fumwa bantu bonsu ni udubwa bantu bonsu bashishe bamana ngumpela kwa kubala bu mwa kuandeke lukuji mena kafula mbedi brino chibala udimuleje bwa santene gizenga mukwata mudimu munne nani nayi munkachi mwalitunga da kwa munga tananga nanga kujenze chidi chaditalala chidi chivuka chichambula bingoma ni nkwewu bamana kule kwa kula ni benza mujimu kujimukalenga la be na wale ndungu bula nyati e udimuikala mukire wa paroisse mon santo joseph mon mutimena tsakintsa sa matonge mwikala kapiti omonye national wa renouveau charismatique catholique wa mon mushindu wa kuva ku kubelesha mubiji wa mufantan gizenga ni mai mabenesha ni wa mwedi kapiti mwishi wansa bwa kuma mushindu wa kumunzu bila nshila bwa tsa mona makupingana kwa mulo mawaisha nangile eva shishe mubiji wa mufwa ujini bwa kufa tuka katataka mbantu mbaba kadibima ngina kulu Antoni Gizenga mukwata wenda mujimu mwenda lwendu lwendu fobule babijimu moku mitsema ni binai wafiki kundekelu uvamula majita bajenda ni mulopu maweza wa mutu henda moku wa mulejwa henda bwase mumudla mabili moku mitsema ni binai na shimu vwe muke ngeshibwa bwa mujivu shinga bwase muvwe mkalu shinga bwase biyo mani bintu babana bamwana kongu bikara bwa bende kongu ni muvwe ushinga kabidi bwase di budi kadidi budi bafeta kukala budi kadidi bushala me kabuka dibuti kadidi bwabuti ngibuti nginasha kibwalukai wakanye makananga na mbilu benda pamuke bwa kumukwata kuyayi kuniseka lwa risi kuyayi mu Congo Brazzaville kuyayi meba mishile shilangana ekuva kuhingana munda matunga da kongwa mungala tamuheta lei mudi mu wabumene kafula mbedi shakabiji kafula mbedi mubukalenga bwa Joseph Kabila no shabe kumempa bwase atu to kulafa bati ba kuya kumushika kuniseka lwa komini wansele mwabonga lwa kumushika bwa matuku makesa Kadidi shiki boje ndamene mena niti fokwenzeka kubuma mwaba vwe musungula bwa kumushikabu kubuma mwabu jinzubu wenda mnena uvwe imuasa mwabu vwe musombele matuku mashala vwe disama di mutu andaki vwe mwashu kumbuka muye kumwa fleri basala imbaba kadibe elambila ya jishula na chitanu hanshi mwa mutanchi mkeseu mufwa Antoni Gizenga badiba mwambula bata ngine nenda kukomine wansele mwaba udibunu chabwa kumushika bwa mpunga mukesa bwalu midimu ya jilongo lelanshila ulimu ya kupuma ni yezeka mwuma tukukumpele kumungondu mina yemu kimu alongo lela kushila timutangila kupuma machemu libangu wase nshile uwa alongo loka mbamu mshindu wakumpusha mupidi wa mufwa yekuye nao kwa shiki nilipa mwane bwani kwa shiki mtu yosu uji kujijiba takule jibwa jiba takule kola kulonga tulasa kukwata midimu Ujijiba mpinde uja kushiyanga nene bulaba Kijibe jija kumbani Mwambile buku yetu ni chamba njiba Jiba njiba na kukumbana Bwa mkalenga Antoni Gizenga Mkalenga Antoni Gizenga Mishumba ya bantu mwabemi kuleje buwase Uvo mumichi mayabuni Thank you.
Salaka penza likwela lya mosala likwela lya lizalaki epai wapi bakoni basema kipo mokambi Joseph Kabila Kabange akamata na mbuko tebe na motoba e sika e Antoine Kisenga ye azalaka ministre mokonzi kasi na landi susu maloba mamokambi misalo kata bilete kama koza ekolo Vital Kamere ye akomaki okati ya buku ya bokaboli mawa atalisi de ayebaki papa Antoine Kisenga malamu malamu moto na mosala moto na bosembo moto alingaki penza bomoi wa bana ekolo Congo démocratique oyeleko eye ye azalaki ministre mokonzi kasi Vital Kamere azalaki mokambi ya biro bakeli mibeko to pe président ya assemblée nationale nasala misala mike penza loyoke oyo te mbula mata ekolo ezala kobosomo bakeli mibeko yambo akobanda mosala kota esalinaka eleko ena yeme Vital Kamere akambaki assemblée nationale pe papa Antoine Kisenga azalaka ministre mokonzi tala likwela na mosala lolenge kani makambo masala maka penza na bolembu boso okati ekolo ya biso Congo démocratique pe mpona litomba ya biso bana ekolo kasi bomoi bwaye bwa mokolo na mokolo bozalaki lolenge kani mama Afrika Antoine Kisenga mibu tukuli bwana minei atiki biso kasi abotamaka akolaka atangaka atangisaka asalaka mosala okoko talisa mwa moke bomoi bwaye mokolo na mokolo bozalaka ndenge nikino lelo kolo zambe akamati bomoi bwaye biso tokotombele kaka bopemi na kimia iyo matie wana tozali na bokaboli kaka mawa pe nzoto ya kondo yango wana batomboli po okenango na lilita kasi na mumesano ya malamu ya tikeli biso ndakisa ya malamu Antoine Kisenga zalaki moto oyo abandaki kolamuka tongo makasi 5 heures ya se alamukaki pe sekelene zalaki atako mbula na ye ye azalaki penza kolamuka tongo tongo pe kobeta oyo babengi silikoti Antoine Kisenga zalaki kobeta ngo pe azalaki Zalaki kosala box na tongo mwa exercice na ye na tongo ete zoto ezala ye malamu penza zalaki kosala mwa exercice na ye mwa kobeta biboto tolobi na kota ya Lingala. Pe tango ya kosisa tango ekoma na 7 heures Antoine Kisenga abandaki koluka mwa eloko ya kolia na ba 7 heures pe sima ya kolia eloko nini ya zalaki kolia mingi pa zalaki kolia bilei na biso ya ba kongole bilei ya bandeko na biso mapende pamba te ya zalaki mupende tozalaki kobenga mupende mutu andando wana Antoine Kisenga zaki kolia misili, azai kolia pondu, azai kolia fufu pe masangu. Pe ayebaki penza njoto na ye malamu pona bobateli, ye azalaki komela masanga te, ye azalaki penza na mwa mbilinga mbilinga te, amela sigareti te, amela masanga te pona bobateli njoto na ye. Pe tengo nyoso ye alingaki mingi kobeta ndembo, pe lisano ya ndembo ye alingaki yango mingi, alingaki kobeta ndembo mwa mingi na tongo na kati na lopango na ye. Pe Antoine Kisenga lisusu ye azalaki kolanda mingi na television kolanda documentaire mingi mingi kotala mai mazali koleka na mukili kotala science boni boni zalaki koleka ye alingaki yango mingi pe tango nyonso kosolola na bapanzi sango ezali eloko ya motu ya mape mambu kosolola na bapanzi sango tango nyonso koyeba nini eleki na mukili koyeba makamu nini ezako pusa na peko kabola makati na ye na bapanzi sango na zongisi wane pa ya feza pe ye akoba na bolobeli na kota ya Swahili Matondo mingi Viviane ni kusema kwamba mubingwa huyo Antoine Kisenga ambaye kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanamlilia kabisa kuona tunapoteza kabisa mtu mkubwa huyu hata hatutamuona tena
Ndio ni huruma kwa mtu anajiuliza, kila mtu anajiuliza kusema kwamba chama hicho cha Palu kitaendelea, Mungu yeye pekee aweze kabisa kuwawezesha na kuwapatia kabisa nguvu ya kuendelesha kabisa chama hicho cha Palu juu wasiwachane, wachikabulane kama vile tuliona wakati ya Mobutu. Wakati Mobutu anakufa, MPR ikakufa kabisa, inaendelea, hakuna mtu anaweza kusimamisha MPR. Na tunaomba katika chama cha Palu wakuwe umoja kama vile wenye Antoine Kizenga anaenda. Inaomba kabisa watu wote wenye kuongoza chama cha Palu wao umoja, wasikabulane, ishikue kama vile MPR, ikue chama hicho je kitaendelea kutumika kabisa wakati bachamuro te miaka na miaka, ingawa hata watoto wajuguu, kwa sababu Antoine Kizenga alipenda hii nchi na itumikia kabisa, na alionyesha kabisa upendo wake. Hiyo alitumika na Lumumba, akatumika akakuwa pia na mawazo moja ile ya mzee Laurent Desire Kabila, ile mawazo moja akaendelea kutumika nao na Joseph Kabila Kabange. Ndio kabisa Antoine Kizenga anafaa kufuata watu wa chama cha Palu, inafaa mfuate kabisa mfano ya mbingwa Antoine Kizenga ambaye anatoka kuacha dunia, leo wanaenda kumzika mahali atapumzika kwa milele. Ndio kusema atazikwa tena vile sultani wa asili pale, anaenda kwa kuzikwa kwa muda pale Nsele, kisha baadaye usiku kati watamuondosha huko na kwenda kumzika pale Buma sawa vile sultani wa asili. Kabanga au Marte Mambu, unayo ya kuongeza? Kwa sababu tunafika mwisho, tunaona kama mwili wa marehemu ishaenda, tunatafuta kurudisha antene kwa sababu saa mbele ya saa si saa na nyuma ya saa si saa. Tunaona kama wakati wetu umetimu na tunakomeshea hapa. Tunashukuru ndugu zetu wote kupatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hiyo hata ugenini wenye walikuwa wakitufuata tangu mwanzo na